Salut la famille, vous allez bien, j'espère. Vous savez, je ne dors pas, je passe toute ma vie sur Facebook. Mais ces jours-ci, pendant que les gens pensent qu'il n'y a pas de buzz, il y a un très grand buzz qui se passe, mais dans les coulisses. Je fais cette vidéo donc pour m'adresser à deux mamans. Je parle bien de deux mamans. Je les appelle mes mamans. Je ne sais pas si vous avez déjà les enfants qui ont mon âge, mais vous êtes mes mamans. Je parle comme ça à maman Chantal Aïssi et maman Letty Ponce. Franchement, je ne sais pas si on a envoyé, si on a créé Facebook au Cameroun pour remplacer le commissariat, la gendarmerie ou bien le CEDO ou bien je ne sais quoi. Les règlements de compte maintenant, c'est seulement sur Facebook. Donc si quelqu'un pique même ton gars maintenant, c'est seulement sur Facebook qu'on vient gérer. Si quelqu'un prend même ton argent, c'est seulement sur Facebook qu'on vient gérer, maman. Il y a quoi que depuis ces jours-ci, j'entends seulement les publications. N'appelle plus mon nom dans tes histoires là. Oh, je vais faire un direct uniquement sur toi, maman Lady. Je vais me dire, Lady, bon, tu ne me connais même pas bien. Maman. Et d'ailleurs, ce que vous ignorez, c'est que les gars comme les Franco-Lomignon, comme nous-ci, nous sommes seulement derrière pour attendre ça. Faites en vidéo. Parce que quand vous faites seulement les publications comme ça, ça ne nous arrange pas. Les fans ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Vous savez qu'au Cameroun, on aime trop le Japap. On n'aime pas la paix. Pardon, faites ça en vidéo. Vous faites des publications. Franchement, laissons la blague. Mais maman, ce que vous êtes en train de faire là, c'est une honte. Parce que je ne comprends pas. Quand les jeunes font ça, quand nous, nos générations, nous on fait ça, on se dit que c'est le buzz, c'est la conquête des vues. Nous, on veut les vues. Mais vous, là, vous avez encore besoin des vues. Les icônes de la musique camerounaise. Maman Lady Ponce, tu as encore besoin de quel genre de vues en faisant les clashs? Maman Chantal Aïssi, vous avez besoin de quelles vues en faisant les clashs? Allez au commissariat gérer vos problèmes, non? Allez à la gendarmerie gérer vos problèmes. Vous venez sur Facebook faire des choses que nous. Bon, nous sommes derrière en train de vous regarder donc maintenant là. Quelle est l'image que vous nous montrez là maintenant? Quelle est l'image que vous montrez même de la culture camerounaise? Qu'il faut toujours venir sur Facebook vous rendre petit ou petit comme ça là. Franchement, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Vous faites des choses, on met les commentaires pour vous encourager, mais franchement, arrêtez ça. Ce n'est pas poli. Nous les jeunes, nous, nos enfants. Quand vous regardez, quand vous observez là, quand vous voulez vous prendre comme modèle, quand vous vous comportez comme ça là, c'est pour que nous-mêmes là, que nous qu'on fasse comment? Eh? Mais si y a un problème, organisez même, bon, venez, et il fallait aussi que je vous informe sur ceci. Si vous avez encore les spectacles, je voulais dire les obstacles, si vous avez des spectacles, n'oubliez pas hein, de venir aussi au complexe Las Vegas, célébrer ou bien. Faire vos spectacles, même les artistes là, je profite aussi les artistes là. Las Vegas désormais a un podium et offre, là le français les dieux, aïe, offre son espace pour tous ceux-là qui veulent présenter leur single. Hein? Vous venez au complexe Las Vegas, même si c'est le mariage, même si c'est quoi, vous venez au complexe Las Vegas célébrer cela. Il y a de l'espace, il y a deux salles qui prennent 300 personnes. Vous comprenez, non? Mais, mes chères mamans, s'il vous plaît, calmez-vous. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de l'écran là, si vous avez besoin du complexe Las Vegas pour vos événements. Mes chères mamans, respectez-vous pour que nous vous respectons. Arrêtez les clashs qui n'ont même pas de sens. Laissez-nous les enfants, laissez-nous les jeunes avec nos histoires de Facebook. Facebook là, c'est pas pour les règlements de compte pour les mamans comme vous. Ah, c'est quoi ça? Ah, s'abonnez-vous les gars, ça m'énerve, s'abonnez-vous. S'abonnez-vous. C'est tous. Quand vous êtes abonné bien, hein? Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.